Donc Tex, vous êtes là ce soir pour le film, oui. Les 20 ans du film. Et moi, un choix, tous les internautes, réglez votre PC, Mac, voilà, à ces questions. Et Arthur, tu me disais? Donc voilà, quelle relation vous avez avec le Field? Oh, le Field, elle a 20 ans. Au début, marche pas ton appart. Non, c'est un Sony. Marc, Sony. Et c'est avec Mac. Enfin, moi, tu connais tous. Jésus, Saint Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Saint Marc, Saint Maclou, évidemment, qui est là à la droite de Jésus. Jésus qui est donc le portugais. Parce que c'est une dame qui me l'a dit, une dame qui travaille à la maison, qui me dit Jésus est portugais. Dame qui connaît bien, hein, parce qu'elle est elle-même d'origine lusitanienne, elle s'appelle Francesca Lourdes Maria Nascimento di Heredia. Vous vous rendez compte? Du coup, je l'appelle par ses initiales, FLMNH. Et cette dame m'a dit, parle un jour de casting.fr. Pour le monde, puisse, dans le monde entier. Voilà. C'était quoi la question? Comment réussir dans ce métier? Oui, est-ce que vous pouvez donner des conseils à nos artistes en ligne? Comme présenter qui ouais, avoir envie, c'est tout. Moi, je sais même... J'ai toujours fait ça, donc j'ai mordu. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où c'est pourquoi j'ai choisi ça. C'est le début qui est le plus difficile, et puis en même temps, c'est dans le début qu'on est le plus heureux, parce que le premier casting, on a l'impression que c'est toute notre vie là-dedans, on se prépare, on vient et tout, et on se fait lourder. On dit merde, ma carrière est foutue. Tu reviens au deuxième casting, après tu dis bon, ça va être... T'en fais 50, il se passe rien. Et entre, il y a plein de... L'escroquerie continue, je vous présente donc voilà, un gars qu'il ne faut pas en raconter. Et viens dans l'image, viens au livre. Et moi, mes rapports au Field, c'est 20 ans. Depuis 20 ans, je les connais. On a fait tous les débuts. La toute première fois que j'ai fait le Field, c'était au Café de la Gare. Avec une sacrée équipe, il y avait une sacrée bande de plein de mecs qui sont devenus des mecs connus. Il y avait des duos qui étaient super et qui n'ont jamais réussi. Il y en a d'autres qui se sont mis ensuite ensemble et qui ont fait un carton. C'est bizarre, je ne peux pas vous citer les noms parce qu'il y aurait des grandes vexations, mais on était tous éclatés quand on venait le dimanche soir pour faire ça. Ce n'était pas fondamental pour nous, c'était un moment de détente, de défoulement, c'était notre semaine qui était fondamentale. Mais malgré tout, au Field, on a rencontré des gens vachement importants et qui nous ont servi après. D'accord. Voilà. Merci. En direct des 20 ans du Field, et je vous donne rendez-vous sur casting.fr. On est bien d'accord? Évidemment, c'est juste un